Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 14e épisode de Let's Play sur Arx Fatalis. On continue. On revient dans la ville même, plutôt que dans le château, et on va un peu questionner les gens. Je sens que la gamine aura des choses à dire. Pas d'attitude déplacée. Mais bon. Déjà, on peut aller voir ici. Tiens, la vieille n'est plus là. Le prêtre, il va toujours me dire que je suis un démon. Vous n'êtes pas un être humain normal. Voilà. Vous êtes le démon. Au secours ! J'ai vu le démon ! J'aime bien lui faire un petit coucou bœuf de temps en temps pour qu'il... pour qu'il ait les chocottes. Ah, c'est fermé. Si c'est fermé, c'est-à-dire qu'ici c'est ouvert. Bingo. Mille merci, monseigneur. Tenez, voici un très bon prix pour ces gemmes. Ok, c'est ici que je peux vendre alors les gemmes. Et là, il y a des anneaux. Ok. Au cas où, je sais que... Je suis désolée, mais je ne vais rien pouvoir vous vendre aujourd'hui. Je ne suis pas bien. Je vais devoir fermer mon échoppe maintenant. Vous avez besoin de l'aide du guérisseur ? Non, je ne suis pas malade. Je ne vais pas bien parce que ma petite fille Shani a disparu depuis hier. Et ah bah tiens. Elle a pu aller. Disparue ? Elle jouait de l'autre côté de la place, près de la bijouterie. Et elle n'est jamais revenue à l'échoppe. Personne ne l'a vue. Et les gardes sont bien trop occupés avec cette menace illicite pour s'en charger. Je vais essayer de comprendre ce qui est arrivé à votre fille. Oh, merci. Vous êtes un envoyé des dieux, voyageur. Ah bah tiens. Je parie qu'elle est partie dans le dans la crypte. Pour ça qu'on la voit pas. Alors, le pêcheur n'est plus là. Ouais, bon, ben, Nico, sur Twitch, n'hésite pas à discuter si tu veux. Hein, tu n'es pas obligé. Non, par là, il n'y a rien. Moi, je fouille pour trouver des gens à qui parler, qui vont me dire, qui vont me donner des informations sur cette disparition. Et cette mort. Je suis en service. Peut-être le chef de la garde déjà. Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels ? Non, Amshagar. Rien de neuf. Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels ? Non, Amshagar. Je ne peux rien vous apprendre de nouveau. Bonjour. Bon, rien de spécial. On continue. Le forgeron. Je vous recommande mes épées. Ce sont les meilleurs d'Arx. Je vends et j'achète armes et armures. Je peux aussi les réparer. Alors toi. Gary est un homme riche. Oh, d'accord. Toujours aussi vénal. Tu ferais bien de te méfier. Voyons. Ici. Madame. J'ai rien à vous dire, cher monsieur. D'accord, tu n'as rien à me dire. Là, il y a des cochonneries. Mais je parle pas de toi, mon petit cochon. Hein. Ouais, vas-y, tu peux toujours, hein. Alors. Je suis trop occupé pour vous parler. D'accord. Mais il est où Gary ? Il est là-bas Gary. Hey Gary. Gary. Coucou Gary. Je préférais comme c'était avant. Bon.
s'il parle de déco, à part ça. La fille de Maria Chani a récemment disparu. Elle a demandé de la retrouver. Il se peut qu'elle soit en danger. Alors, il y a la possibilité la plus forte, c'est qu'elle soit dans la crypte, hein, qu'elle soit passée à travers le, à travers la grille. Mais dans ces cas-là, il faudrait que je... Oh, tu... Bon, c'est pas grave. Donc, qu'elle soit passée à travers la grille. La deuxième, c'est qu'elle soit passée par la porte d'entrée, j'imagine. Ou par le... Oh, non, 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 je sais. Bon, c'est un peu dommage que ce soit pas si développé que ça, en fait, hein, le... Le scénario, enfin les phases d'enquête et compagnie, mais... Et voilà, le trou est dégagé. Et là, on va arriver... Du côté de... De l'avant-poste. Oh. Fait une petite peur. Je me sens un peu... Je suis perdu là. Donc attendez. Voilà. Toi c'est bon. Heureusement que la carte se met à jour tout seul. Hein. Casser. Ah. Ok. Tiens, il y a les carottes qui repoussent. Le retour du monde. Respectez les lois du royaume. Mais ici, il n'y a personne, ils doivent être en dessous. Respectez les lois du royaume. Respectez les lois du royaume. Ça va, on va commencer à le savoir. Nous sommes les protecteurs du royaume d'Arx. C'est bien. Bonjour. Alors, vous avez pas vu de Chani dans le coin ? Non, c'est la flotte. Là, il est toujours cassé. Alors... Et moi, paye, Miyazba. Plutôt agréable ce coin, non ? Savais-tu que cet endroit existait déjà lorsque nous vivions à l'extérieur, lorsque nous avions encore un soleil ? On l'appelait alors la rose jaune. Amusant, n'est-ce pas ? Oui, amusant, si tu veux. Plus je vois, et plus je pense que la violence reste. Approchez, approchez ! Je sens que la chance reviens me voir à l'occasion. Quelques mots gravés dans la pierre, tiens.
Voyageurs, si vous voulez participer à ma chasse au trésor, vous devez vous munir d'une émeraude pour ouvrir mon coffre. Olivier. D'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a plus revu Azrael Darkthorn. Il a dû crever dans la crypte, ce sale pilleur de tombe. Cessez de m'importuner, je vous prie. Ça va, ça va. Approchez, approchez. Bon, y a pas grand chose de plus à faire. Merci Nico, ce serait sympa. Tizi a dit que tu pouvais ouvrir la porte. Non, toujours pas. Il nous manque le mot de passe pour pouvoir entrer. Shani n'a pas l'air d'être par ici. Faudra que je vérifie les autres galeries du tunnel. De faire comme ça et je suis là, ok. Si je longe ce mur là ici, ok, donc là non. Il n'y a rien de plus. C'est juste que j'ai fait le grand tour au lieu du petit. Bon, Shani n'est pas partie par ici. Donc, on sort de là. On passe à la suite. Serait pas tombé dans l'eau quand même, parce qu'en gros elle jouait près du joaillier. Le joaillier c'est ici, donc soit laissez-moi tranquille ou j'appelle les gardes. Laissez-moi tranquille ou j'appelle les gardes. Ah ah, je crois que j'ai entendu quelque chose. Allons-nous-en. D'accord, il y avait quelqu'un là et certainement lui. Maintenant que nous avons trouvé une offrande précieuse pour notre dieu, nous allons pouvoir réaliser le... Ah purée, ils l'ont capturé pour le rituel. Je vous attendrai demain à 10h près du pilier du serpent du niveau 4. De là, je vous guiderai à la chambre secrète pour appeler les 500 fils de la bête. Faites bien attention à ce que personne ne vous suive.
Est-ce que ça a été noté dans le journal D'accord, oui, non, ça... le niveau 4, on y est. Je n'ai pas encore... Et pour le niveau 4, il faut passer par la crypte. Donc là, je vais devoir aller demander la clé à Carlo, en disant que ça se passe par là. Non, c'est pas là. Là, c'est pour l'église. C'est là-bas. Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels ? Que dalle. Rien de neuf. D'accord. Peut-être d'abord aller parler à la mère. Je me demande ce que Carlo dirait si je lui réclamais. Ou alors, peut-être qu'il faut que je prenne le livre et que je le donne à Carlo. Compliqué, hein, compliqué. Le jeu ne nous aide pas vraiment. Où est Shani ? S'il vous plaît, ramenez-la moi. Tiens, tant que j'y suis. Oh, quand même. Voilà, très bien. Bon, je vais aller prendre le bouquin et le donner à Carlo. Et si ça va pas, j'irai jusqu'au roi. Non mais. Bon, tant qu'on y est, on prend tout. Bonjour Carlo. Non. Quelque chose à m'apprendre sur ce rituel. Ouais. Allez, on s'en fout. Ouais, je vais passer par l'église, ce sera plus rapide. Et si c'est pas suffisant, ben je ne sais pas quoi faire. Ou alors peut-être que la crypte est ouverte maintenant. Nous nous verrons au conseil lorsque vous nous ramènerez des indices. Que dalle. Le conseil est là-bas, hein. Là, j'ai déjà un bel indice, hein, au niveau 4, le pilier serpent, c'est fermé, donc on peut pas. Bon, on va essayer de... voir si la crypte ne serait pas ouverte. Tout simplement.
ben non, elle est pas ouverte. Et bien entendu, je ne peux toujours pas crocheter. J'ai pas la clé pour. Que dalle. Donc il me manque une info. Cœur de fiole d'eau, poisson cuit. J'y vois rien du tout. Pas à toi que je donnais le bouquin quand même. Alors, maintenant que nous avons trouvé une offrande précieuse pour notre dieu, nous allons pouvoir réaliser le rituel. Je vous attendrai demain à 10h près du pilier des serpents du niveau 4. De là, je vous guiderai à la chambre secrète pour appeler les 500 fils de la bête. Faites bien attention à ce que personne ne vous suive. On regarde la carte pour le niveau 4. Non, c'est pour le niveau 2, ça en fait. Niveau 2. Voilà. Pour le niveau 4, L4, il y a ici. Comment j'y vais là? Je suis au niveau 1, moi. Donc il faut que je descende. Ah, je suis. C'est chez les ogres. Chez les trolls plutôt. Je sens que ça va être ça. Et donc ça va être pénible. Puisque je ne suis plus ami avec les trolls, il faudra que, bah, que je les bute. C'est méchant à dire, mais... Ils ont pas compris que j'ai aidé les trolls à prendre leur indépendance. Et donc... Là, je suis au niveau 3. C'est ça. J'essaye d'enlever un peu plus du brouillard de guerre. Et donc oui, le niveau 4, ça va être chez les ogres. Ah, il est plus là le gars qui bloquait le passage. Enfin, chez les trolls plutôt. Ça ressemble pas à des trolls, hein, ça ressemble à des ogres. Mais bon. Ah. Bien, 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 bien. On avance. Bloqué à cause d'une clé il y a quelques épisodes, mais maintenant tout va bien. Hop. Encore une. Putain, elles me font peur à chaque fois.
T'es passé où? Je t'entends, mais... Ah, t'es là. J'entends encore des rats, mais... vers l'entrée et on va faire ça minutieusement, sinon on va encore déjà par ici. Il y a des grenouilles. La porte dissimulée, ça. Mais bon, je ne sais pas comment l'ouvrir, donc... Tiens, avant de faire une connerie... Maintenant qu'on est dans une nouvelle zone... Salut, Gob. Waouh, je l'ai explosé. Un peu de fromage. Toi, une canne à pêche, tiens, tiens. Et toi, un peu d'or. Bouclier en bois que j'ai déjà. Sur la carte. Ok, c'est une torche. Quoi? Ah, c'est un levier. Une serrure, tiens, tiens. Ah, et là, il y a une porte dissimulée. Ok. Ok, donc là, c'est pour descendre. Pour l'instant, on ne le fait pas. Je vais explorer un peu l'eau. Hein. Ok. On va aller voir par là. Au moins on peut dire qu'on a exploré la zone.
On va devoir continuer alors hein, par ici. Donc ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. On continue dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye.